Bonjour, je suis Fabrice et je suis ici pour vous aider à apprendre le français, à améliorer votre français et à vous faire découvrir la culture de la France. À la fin de ma vidéo, il y aura un point de grammaire, donc regardez bien ma vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vous parle de la fête du citron à Menton. C'est en fait le carnaval de Menton. C'est la 88e édition de cette fête du citron à Menton. Il a lieu depuis 1934. Cela se déroule toujours la deuxième quinzaine de février, c'est-à-dire du 12 au 27 février. Menton, c'est une ville qui se trouve dans le sud de la France, près de la frontière italienne, à environ 3 km de l'Italie. Regardons en détail ce qu'est la fête du citron. C'est un événement qui rassemble environ 250 000 personnes. On y fête les agrumes, c'est-à-dire les oranges, les pamplemousses, mais surtout les citrons. Et cette fête se passe en trois grands événements. Premier événement, le corso de fruits d'or. Deuxième événement, le salon d'artisanat et son festival des orchidées. Et troisième événement, l'expo de motifs d'agrumes. Regardons les événements un après l'autre. Premier événement, donc, le corso des fruits d'or. Ce sont des chars décorés pour carnaval avec des citrons. Des citrons, des agrumes. On défile dans la rue, on danse, il y a de la musique bien sûr, c'est très festif, c'est très joyeux, on jette des confettis et tout le monde s'amuse, mais vraiment tout le monde. Et le soir, c'est encore plus magique parce que vous avez de la lumière, c'est magnifique. Deuxième événement, le festival d'orchidées qui a lieu au Palais de l'Europe. Regardez ces magnifiques fleurs, tout le monde connaît les orchidées, mais vraiment, c'est magnifique. Elles ont des couleurs somptueuses, c'est très très beau. Vous en avez de toutes les couleurs, il faut en profiter. Vous avez également le salon d'artisanat, où bien sûr, on y vend des produits régionaux, tels que de la citronnade, de la limonade, c'est-à-dire c'est pétillant, attention, du limoncello, c'est de l'alcool, du vin d'orange, du miel, de la confiture, de l'huile de tournesol et bien sûr, des citrons, bien sûr. Et puis, nous finissons avec le troisième événement qui est l'exposition des motifs d'agrumes qui se trouve au jardin Biovès. Vous y retrouverez les couleurs du soleil, des teintes jaunes, de magnifiques couleurs orangées. Il faut savoir que des milliers d'heures sont nécessaires pour réaliser toutes ces sculptures, car les fruits sont posés à la main, un après l'autre. On peut se promener parmi ces magnifiques réalisations. Je vous laisse regarder. Elles sont plus magnifiques les unes que les autres. Elles sont très très hautes également. C'est vraiment un spectacle magnifique et envoûtant. Qu'en pensez-vous? Moi, je n'y suis jamais allé, mais j'adorerais visiter ce lieu. C'est vraiment formidable, non? J'ai des réalisations ici à vous montrer. Je pense que vous adorez cela. J'adore également. Et le soir, bien sûr, on peut s'y promener. C'est encore plus magique et c'est ouvert jusqu'à 23h. Les lumières sur les citrons et les oranges et les agrumes donnent un aspect vraiment magnifique. Voilà, vous savez beaucoup de choses sur la fête du citron à Menton. J'espère que vous pourrez y aller un jour. Je vous laisse pour l'instant et je vous retrouve pour mon petit point de grammaire juste après. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour mon petit point de grammaire et je vais vous parler de du, de la et des. Vous allez voir,
c'est très facile. Je vais les utiliser avec les aliments et les boissons. Je vais prendre les exemples qui étaient dans mon texte. Au masculin singulier, nous allons dire du vin, du miel ou encore du limoncello, qui était cette boisson alcoolisée. Au féminin singulier, cela devient de la confiture, de la limonade, de la citronnade. Et attention, si le mot commence par une voyelle ou un H muet, cela devient de et L apostrophe. Par exemple, de l'huile. Et enfin, au pluriel, eh bien, c'est beaucoup plus simple. Au pluriel, du, de la, devient tout simplement des. Donc, des vins, des confitures. Et voilà, vous savez tout sur du, de la et des. Eh bien, je vous laisse maintenant. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Et donc, à très bientôt. Et n'hésitez pas à aller voir cette magnifique fête du citron. À très bientôt. Au revoir.